Sauf pour une vidéo dans laquelle on parlait mercato et notamment de Tagliafico. Normalement, le dossier touche à sa fin, donc je vais en parler rapidement et j'essaie d'oublier aucun détail. Et on va aussi parler de la piste Ibrahima Sissoko. J'en avais parlé, je crois, il y a quelques mois, je crois, de Sissoko. Et finalement, la piste, eh ben, elle est apparue hier dans la soirée. Donc, du coup, voilà, je sors la vidéo le lendemain. Et vous me direz comme ça si vous êtes content pour Tagliafico. Et est-ce que vous êtes content aussi de la rumeur de la piste Sissoko? Est-ce que vous aimez ce joueur, etc. Ou est-ce que vous préférez, par exemple Carvalho qui était sorti il y a quelques jours? Ou peut-être une autre piste pour le poste de 6? J'attends votre avis dans les commentaires. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour. Franchement, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées derrière moi. N'hésitez pas à continuer, les gars. L'objectif, c'est les 1000 abonnés. Donc vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos et d'être voilà au courant dès qu'elle sort la vidéo, hop, vous aurez la notif directement. N'hésitez pas aussi à liker un maximum, les gars, pour les recommandations YouTube. Partagez également si vous le souhaitez. Et bien sûr, comme je dis, à donner votre avis dans les commentaires. Maintenant, on va parler de Tagliafico. Donc hier, Tagliafico s'est sorti avec Hugo Guimet qui a mis ça sur Twitter, le journaliste de l'équipe, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a mis que on avait déjà un accord depuis quelques semaines, donc ça voilà, c'était pas une surprise. Et il avait plus donné de nouvelles, et ça a été confirmé, ça fait 10 jours qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Bruno Chéroux, je crois que Lyon est parti à Eindhoven, du coup aux Pays-Bas, début de cette semaine, et il a eu un petit rendez-vous avec les agents de Tagliafico. Ça se serait bien passé. Donc voilà, normalement le transfert, ça devrait jouer entre 4 et 5 millions d'euros. Du coup, il a réussi à le convaincre et ça devrait être lui. Donc, normalement, la piste Merlin, ça devrait être oublié ou alors peut-être pour l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Mais normalement, Tagliafico devrait passer sa visite médicale aujourd'hui, du coup, mercredi ou demain, le jeudi. Et après, directement, peut-être qu'il y aura une conférence de presse rapidement et directement, il repartira s'entraîner du coup avec sa nouvelle équipe, du coup, nous, l'Olympique Lyonnais. Mais normalement, ça a été officialisé en tout cas par pas mal en tout cas ça a été dit, on va dire, je vais pas employer le mot officialisé, mais c'était dit par pas mal de sources qui sont certifiées sur Twitter. Donc du coup je pense que maintenant Tagliafico il va signer à Lyon, contrairement au démenti qu'il y avait eu avec Foot Mercato hier, directement après la sortie de Hugo Guimet sur Twitter, qui avait dit qu'avec Tagliafico ça devrait se faire rapidement. Je vous le dis, normalement ça va être fait aujourd'hui ou demain officiellement. Et la rumeur qui est sortie juste après, justement, dans la soirée, c'est Ibrahima Sissoko. Normalement, on en avait déjà parlé. En tout cas, moi, je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Mais après, la rumeur, elle a été vite oubliée parce qu'on ne devait pas normalement jouer en 4-3-3. Finalement, Bosch tient à son 4-3-3 cette saison. Donc, il cherche un numéro 6. Donc, on devait faire un deal avec Carvalho. Finalement, le Betis, ils ont des problèmes d'argent. Donc ça fait que on ne sait pas comment ça va se passer encore avec Aouar, donc c'est un sacré boxon. Mais on se serait renseigné sur Sissoko qui coûte 8 millions d'euros. Donc là il est au maximum de sa fourchette sur Transfermarkt. Donc voilà les 8 millions d'euros. Honnêtement, moi j'ai réfléchi, pourquoi pas y faire un échange avec Kadewere qui coûte le même prix. Honnêtement, ce serait logique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Kadewere qui coûte que Lyon veut se débarrasser de 7 ou 8 millions d'euros. Et Sissoko qui coûte 8 millions d'euros, moi honnêtement, je ferai un échange. Et au pire, on leur donne 1 ou 2 millions de plus, ou 3 comme ils veulent. Mais pour moi, ce serait logique. Sachant qu'ils étaient intéressés par Kadewere. Aussi, Sissoko, il a un truc particulier, c'est qu'il peut aussi jouer un défenseur central. Donc voilà, je ne vous dis pas qu'on va le faire jouer en défense centrale. Je vous dis juste que, au cas où dans la saison, si on change système tactique, si par exemple on repasse dans un 4-2-3-1. À mon avis, il risque de moins jouer. Après, à moins qu'il explose. Mais il y a quand même Cacré, t'as encore du Tolisso. Faut aussi voir si Paqueta reste ou pas. Mais si par exemple, on vient à venir dans un 4-2-3-1 et qu'il y a un problème en défense, parce que pour le moment, on a l'air de pas trop s'activer au niveau de la défense centrale, si par exemple, il y a un problème, on pourra le descendre et laisser par exemple en 2 numéro 6, on va dire, Cacré et Tolisso. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut être utile, il est vraiment assez polyvalent, donc ça c'est cool au niveau de Sissoko. Il peut jouer je crois 6, 8 et en défense centrale. Donc franchement pour moi ça peut être un bon profil. C'est aussi un profil intéressant parce que je crois qu'il fait 1m93, juste vérifier. Voilà, il fait bien 1m93, donc pour moi c'est un profil voilà, qui manquait à Lyon. Moi j'avais déjà réfléchi il y a quelques mois, sauf que la cote de ce joueur a explosé, c'est Ibrahim Sangaré, qui m'avait vraiment plu lors du match France-Côte d'Ivoire. Là, il m'avait vraiment explosé parce que je savais qu'il avait joué à Toulouse
et qu'il était moyen, et finalement en partant au PSV Eindhoven, il avait explosé. Donc pour moi, ce profil est vraiment hyper hyper intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce dossier. En tout cas, je pense que ça devrait peut-être bouger dans les jours à venir, je pense, parce que voilà, c'est peut-être une piste, en tout cas, on va dire, dans les prioritaires, parce que voilà, Carvalho, ça a pris un peu du plomb dans l'aile. Donc voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de Tagliafico? À mon avis, maintenant, ça va bien être fait. Et Sissoko, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Passez tous une très 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 bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.